Une ville japonaise, 1 million d'habitants, la 10e du pays, Hiroshima. Le 6 août 1945, personne n'avait prévenu ses habitants que leur ville allait être rayée de la carte. Hiroshima, ville universelle, c'est ici qu'a commencé l'ère nucléaire. En ce matin de mars 2011, une nouvelle menace s'est abattue sur la population japonaise. À 1000 km de là, 3 réacteurs de la centrale de Fukushima sont entrés en fusion. Un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami géant a ravagé le nord-est du Japon. De Hiroshima à Fukushima, qu'a-t-on vraiment appris sur le nucléaire ? Qu'y a-t-il de commun entre les réfugiés d'un accident industriel et les victimes de l'acte de guerre le plus spectaculaire du XXe siècle ? De Hiroshima à Fukushima, les experts ont minimisé les risques. Les politiques ont nié l'ampleur des désastres. Et les excuses des industriels n'y changent rien. Depuis plus de 65 ans, l'histoire de la bombe, du nucléaire, de cette puissance inouïe, est une longue histoire de secrets. Ces silhouettes ont été imprimées à jamais sur les dernières parois restées debout après la première explosion nucléaire. Dans un rayon de 200 mètres, les corps qui ne se sont pas volatilisés sont carbonisés. N'ont survécu que ceux qui étaient loin de l'épicentre, ou protégés par des murs de béton. Dès le lendemain de l'explosion, le docteur Hachia tente d'aider les blessés. Tous sont atteints d'un mal mystérieux. 9 août. Hier, un de nos malades s'est plaint toute la journée de douleurs dans la bouche. Aujourd'hui, de nombreuses petites hémorragies apparaissent dans sa bouche et sous sa peau. Quand cet homme est arrivé à l'hôpital, il se plaignait seulement d'une grande faiblesse. En apparence, il n'avait aucune blessure. Ce matin, d'autres malades commencent à avoir des hémorragies sous-cutanées auxquelles s'ajoutent des vomissements de sang. Pourtant, parmi eux, aucun ne présente de symptômes connus. . 18 août. Aujourd'hui, un nouveau symptôme a fait son apparition. De nombreux malades commencent à perdre leurs cheveux. Ils ont un vilain teint. Les observateurs dépêchés sur place par l'armée japonaise ne savent pas quoi penser. Hiroshima et Nagasaki ont été anéantis par une arme inconnue. Cela ne semble pas être un gaz toxique. Aux États-Unis, chacun pense que les deux bombes atomiques ont mis fin à la guerre. Pour la population, c'est une découverte. Ces armes ont été développées dans le secret le plus absolu. Même le Congrès ne savait rien. Mais l'histoire qu'on leur vend est celle de héros modernes et non pas d'une science qui tue. On July 16, 1945, at Alamogordo, the atomic age was born. Minus 20 seconds. Doctors James Bryant Conant and Vannevar Bush were among the handful of spectators. Minus 5 seconds. Now! For Doctors Conant and Bush,
who organized the development of the first bomb, this was a moment of supreme satisfaction. Ce film de propagande raconte l'histoire de la bombe, version US Army. C'est une fiction. Seuls les personnages sont réels. Il y a Leslie Groves, le militaire, chef du plus grand projet de l'Amérique en guerre, le projet Manhattan. As head of the Manhattan District during the war, I was responsible for the development of the atomic bomb, control of atomic energy, and for all of the security. Il y a Robert Oppenheimer, le responsable scientifique du projet Manhattan. Automatic control has got it. This time, Rob, the stakes are pretty high. It's going to work all right, Robert, and I'm sure we'll never be sorry for it. But we'll know in 40 seconds. Son obsession, c'est de savoir si la bombe sera efficace. Et il y a Bush, le politique, celui qui a rendu possible la bombe en créant l'alliance entre militaires, scientifiques et industriels, donnant ainsi naissance à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le complexe militaro-industriel. De cette alliance naîtra la bombe atomique, une arme qui va changer le monde. Los Alamos est un centre de recherche militaire depuis 1943. À cette époque, Oppenheimer, le scientifique, convainc Groves, le militaire, que c'est le lieu idéal pour construire un prototype de bombe. Mais en fait, les chercheurs dotés de moyens quasiment infinis vont laisser la science s'emballer et accoucher d'un monstre. Hiroshima devait être détruite pour prouver que la bombe atomique était l'une des plus grandes réussites scientifiques de tous les temps. Tout a commencé lorsqu'en 1939, le célèbre physicien danois Niels Bohr se rend aux États-Unis pour une réunion à Princeton. Bohr est porteur d'une mauvaise nouvelle. Des chercheurs allemands auraient réussi la fission d'un noyau d'uranium. L'opération pourrait produire une énergie phénoménale. Dans le milieu scientifique, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. What happens to it? It explodes as energy, proving Einstein's theory that mass and energy are really the same. Au même moment, en mars 1939, les armées allemandes occupent la Tchécoslovaquie. Ce n'est pas seulement une catastrophe pour l'Europe centrale. Les nazis font du même coup main basse sur la plus grande mine d'uranium d'Europe. L'Allemagne dispose désormais de la matière première pour concevoir une réaction en chaîne par la fission nucléaire. Puis, c'est la guerre. Entre alliés et nazis, la course scientifique et militaire est engagée. Mais aux États-Unis, l'opinion publique est très hostile à toute intervention dans le conflit européen. Dilemme pour le président Roosevelt. Il doit respecter ses électeurs, mais aussi préparer son pays à toute éventualité. This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Albert Einstein est le plus célèbre des physiciens réfugiés en Amérique. Comme tous les exilés européens, juifs et non-juifs, il sait de quoi Hitler est capable. Impossible donc de rester en dehors de la course aux armements. Poussé par le chercheur hongrois Szilard, il décide d'écrire au président des États-Unis. Grâce aux travaux de Joliot en France et ceux de Fermi et Szilard en Amérique, il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une importante masse d'uranium, et ainsi générer de grandes quantités d'énergie
et de nouveaux éléments de type radium. Cela pourrait aussi conduire à la fabrication de bombes. Une seule bombe de ce type, transportée en bateau et explosant dans un port, pourrait bien détruire le port tout entier et ses environs. À cette époque, ils ne sont qu'une poignée de chercheurs à avoir compris cet enjeu qui va changer le monde. Un ami d'Einstein transmet la lettre en main propre à la Maison Blanche. Roosevelt réagit immédiatement. Les nazis se préparent à nous réduire en poussière. Il nous faut agir. Un des conseillers scientifiques de la Maison Blanche est Vannevar Bush, celui qui deviendra l'un des trois grands pionniers de l'ère nucléaire. Nous avions compris que la guerre allait se transformer en un combat sans merci, que l'Amérique allait devoir y participer tôt ou tard, que ce serait une lutte très technique, que nous n'étions absolument pas préparés à cela, et enfin, et c'est le plus important, que notre système militaire tel qu'il existait ne pourrait jamais produire à plein régime les nouveaux équipements dont nous aurions certainement besoin. Bush, le politique, est président de la richissime Carnegie Institution. Il décide de mettre autour d'une table scientifique, industrielle et militaire, les trois piliers du futur complexe militaro-industriel. Pour réussir, Groves, le militaire, en est certain. Il faut des moyens colossaux et garder le plus grand secret. En Europe, les événements se bousculent. Durant l'été 1940, l'offensive éclair de la Wehrmacht met la Belgique et la France hors de combat en 6 semaines. La Grande-Bretagne se retrouve seule face à Hitler. Les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Déjà, leurs avions visent Londres. C'est le Blitz. Les recherches britanniques sur l'atome ont alors une nette longueur d'avance. Cambridge héberge un prestigieux laboratoire de recherche nucléaire. Churchill et le gouvernement britannique pensent que 3 ans suffiraient pour fabriquer une bombe atomique. Mais il ne faut surtout pas que ces recherches tombent aux mains des nazis. Pour raconter ce qui se passe ensuite, les films de propagande d'après-guerre nous donnent encore une fois l'impression de suivre en direct une affaire top secret. Bush, le politique, s'inquiète auprès d'un de ses collègues des attaques sur Londres. Les Allemands sont certainement working on an atomic bomb. As Harold Urey told you, they're getting a whole output of heavy water from the big Norwegian plant. They couldn't be doing anything else. What was your impression of British progress? Chadwick and the other physicists agree entirely with us that given pure uranium-235, the bomb will work. But they realize that this will run into a big industrial job. The British are overtaxed by the present war production, and they urge that the job be done over here. Effectivement, l'Angleterre, sous les bombes, décide de livrer ses recherches aux États-Unis. Elle adresse à Washington un mode d'emploi de l'énergie atomique, le rapport Maud. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait possible de fabriquer une bombe à l'uranium de 10 kg environ, qui aurait une puissance de destruction égale à 1800 tonnes de TNT, et libérer une grande quantité de matière radioactive, dangereuse pour la vie humaine, pendant une longue période dans la zone de l'explosion. Face à cela, Roosevelt fait un choix politique. Bien que son pays reste farouchement isolationniste, il donne son feu vert pour construire des armes atomiques. Le programme nucléaire américain sera piloté au plus haut niveau de l'État, sans en référer au Congrès des États-Unis. La censure militaire s'abat sur la physique nucléaire. Elle disparaît des pages des revues scientifiques. Silence absolu. Sécurité oblige. Pearl Harbor, 7 décembre 1941. L'attaque surprise des avions japonais va mettre fin aux dernières hésitations. L'offensive japonaise fait basculer les États-Unis dans le conflit mondial. Roosevelt peut enfin rejoindre ouvertement le camp des Alliés contre les puissances de l'Axe, Japon, Allemagne, Italie. Bientôt, la guerre embrase le Pacifique et étend son emprise aux 5 continents.
La machine militaire américaine avait été lancée pour fournir des armes aux Britanniques. Désormais, elle va tourner à plein régime pour ses propres besoins. Le siège de l'armée américaine, le Pentagone, vient justement d'être terminé. Le chef du projet, un militaire pragmatique, s'appelle Leslie Groves. En septembre 1942, on lui confie une autre mission ultra sensible, accélérer les recherches nucléaires contre l'Allemagne. Nom de code, Projet Manhattan. D'autant que les premiers résultats arrivent. Les chercheurs ont isolé un nouvel élément, le plutonium, plus lourd que l'uranium et plus efficace pour fabriquer une bombe. Vu par les films de propagande d'après-guerre, tout cela apparaît, à tort, bien inoffensif. Here it is, General Groves. Plutonium. Well, that's the first I've ever seen. But after this, if you don't mind, I wish you'd hold something under it. Because after all, there's about over $50 million in that tube. Ces recherches nécessitent une armée de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens répartis sur tout le territoire américain. Pour coordonner ces équipes, Groves, le militaire, a choisi un outsider, professeur de physique théorique à Berkeley. Un homme qui a même été proche du Parti communiste, Robert Oppenheimer. Il est propulsé à la tête du projet de recherche le plus gigantesque que la science ait connu. C'est un génie, un véritable génie. Il sait tout. Il peut parler de n'importe quel sujet. Enfin, presque. Il y a deux ou trois choses dont il ne sait rien. Le sport, par exemple. L'autre priorité de Groves, c'est de trouver la matière première pour la future bombe. Le plus important, bien sûr, était le minerai d'uranium. La plus grande source d'uranium pendant la guerre était la mine de Chinkolobwe, au Congo belge. Et l'homme clé dans ce domaine était M. Edgar Sangier, le directeur de l'Union minière du Haut-Katanga. Sangier est un industriel belge et un homme d'affaires prévoyant. Dès 1940, il a ordonné que toutes les réserves d'uranium belge soient mises à l'abri des nazis et envoyées aux États-Unis. En ce printemps 1942, Groves, le militaire, découvre donc avec stupéfaction que 1250 tonnes du précieux minerai sont stockées à portée de main dans le port de New York. Un formidable cadeau. L'approvisionnement du projet Manhattan est maintenant assuré. Parallèlement, un changement essentiel se produit. Pendant l'été 1942, le Troisième Reich renonce à son programme nucléaire. Sauf que les Alliés n'en sauront rien. Pour Albert Speer, devenu ministre de l'armement et de la production de guerre, les dirigeants nazis n'ont pas compris le bouleversement radical que signifiait l'arme atomique. Hitler m'avait quelquefois parlé de la possibilité d'une bombe nucléaire. Mais cette idée dépassait ses capacités intellectuelles. Il était incapable de saisir le caractère révolutionnaire de la physique nucléaire. Sur la proposition des physiciens spécialistes du nucléaire, nous avons renoncé au projet de développement d'une bombe atomique. Après que j'ai une fois de plus demandé combien de temps il faudrait et que l'on m'ait répondu qu'il fallait compter au moins 3 à 4 ans. Berlin a des soucis bien plus pressants. Pour soutenir l'offensive sur le front russe, le Reich a besoin de pétrole, ressource bien plus vitale que l'uranium des mines tchèques. Et pour cela, Hitler regarde du côté du Caucase, vers Bakou et jusqu'à l'Iran. Dupont de Nemours est l'un des géants de l'industrie américaine. Inventeur du nylon et surtout principal fournisseur d'explosifs et de munitions pendant la guerre de sécession et les deux guerres mondiales. Dès le début, Dupont fut appelé à soutenir le projet Manhattan, tout comme Monsanto, Kellogg, Union Carbide et autres grands groupes américains. Hiroshima devait être détruite pour asseoir la puissance économique et politique du complexe militaro-industriel. Deux mois après que l'Allemagne a arrêté son projet nucléaire, la salle de squash de l'Université de Chicago est devenue un gigantesque assemblage de graphite et d'oxyde d'uranium. C'est le prototype CP1, une pile nucléaire de 350 tonnes. Autrement dit, le tout premier réacteur atomique que les chercheurs alliés veulent tester au plus vite.
L'expérience a lieu le 2 décembre 1942. Secret militaire oblige. Ni l'université, ni les étudiants, ni la ville de Chicago n'ont été prévenus. Devant un public de savants, l'Italien Enrico Fermi, prix Nobel de physique, ordonne le démarrage de la réaction en chaîne. S'il s'est trompé dans ses calculs, il y aura une explosion nucléaire en plein centre-ville de Chicago. Tout se passe comme prévu. Pour la première fois de l'histoire, l'homme a réussi à maîtriser l'énergie nucléaire. Nous savions que nous étions sur le point de libérer un géant. Pourtant, en réalisant que nous l'avions réellement fait, nous éprouvâmes un sentiment étrange. Parmi les spectateurs, un autre homme est fasciné par l'expérience. Il s'appelle Crawford Greenwalt. Il est ingénieur chimiste chez Dupont de Nemours. La concentration de neutrons dans la pièce est montée bien au-delà des limites autorisées. Et les radiations gamma juste au-dessus des limites tolérables pour un être humain en l'espace de 24 heures. Le résultat de l'ensemble fut bien meilleur que ce qui était attendu. Et pour moi, ce fut une expérience saisissante. Greenwalt, l'industriel, assiste à l'expérience sur l'invitation du général Groves. Pour faire passer le projet Manhattan à sa phase industrielle, Groves a en effet besoin d'un conglomérat rompu à la confidentialité et capable de superviser des corps de métier qui vont manipuler d'importantes quantités d'uranium et de plutonium hautement radioactifs. Le contrat est colossal. Les risques aussi. Greenwalt, l'industriel, hésite. Pour ne pas se faire traiter de profiteur de guerre, Dupont signera finalement un contrat ne lui procurant qu'un dollar symbolique de bénéfice par an. Quelque part sur la côte ouest, dans un immense désert à 300 km de Seattle, Hanford. La taille du site construit par Dupont de Nemours donne la mesure des besoins industriels phénoménaux. Le chantier s'étend sur 1500 km². En 9 mois, 85 000 ouvriers font surgir de terre 3 réacteurs nucléaires et une usine de purification d'eau capable d'alimenter une ville d'un million d'habitants. Des dizaines de milliers d'employés dorment sur place. Tous ont signé un contrat qui les oblige au secret. Les conversations téléphoniques sont écoutées. Le courrier est lu et censuré. Hanford est une usine de production de plutonium. Inquiet des effets des radiations pour ses troupes, Greenwalt, l'industriel, exige des garanties. Groves, le militaire, s'engage à ce que le gouvernement américain paye 10 millions de dollars par tête en cas de blessure, maladie ou décès. Une somme faramineuse pour l'époque. Le projet Manhattan est réparti sur tout le territoire américain. Cette autre unité est gérée par Monsanto et General Electric. On y produit l'uranium-235 et les autres matières premières nécessaires à la bombe. Il faut plusieurs tonnes d'uranium brut pour fabriquer un gramme de combustible nucléaire. Ici aussi, Groves a fait cloisonner au maximum les différentes étapes de la chaîne de fabrication pour garder le secret absolu. La plupart des employés ne découvriront qu'à la fin de la guerre sur quoi ils ont réellement travaillé. Tout cela, ainsi que les plans de la bombe, est consigné dans les carnets de Greenwalt, l'industriel. Ces carnets sont restés secrets militaires jusqu'en 1989. Début 1943, le vent de la guerre tourne. Sur le front européen, la déferlante allemande vers le Caucase a été stoppée net à Stalingrad. Épuisée par l'hiver russe,
la 6e armée se rend aux Soviétiques. Été 1943, les Alliés se réunissent à Québec. Churchill a provoqué la rencontre dans un but précis, ne pas laisser aux États-Unis le monopole du nucléaire. La Grande-Bretagne, les USA et le Canada décident de s'associer au sein du projet Manhattan. Le Canada possède d'importantes mines d'uranium. Il fournira 4000 tonnes de minerais jusqu'en 1946. 2 ans après la mise à l'abri des recherches anglaises, outre-Atlantique, une vingtaine de scientifiques britanniques viennent rejoindre les laboratoires américains. Les nouvelles recrues viennent immédiatement rejoindre les milliers de chercheurs, ingénieurs et techniciens qui travaillent sur le projet Manhattan. Los Alamos. C'est le 3e grand centre de recherche du projet Manhattan. On y vit sous haute sécurité, en famille, en vase clos, moyenne d'âge 27 ans. C'est dans ce lieu ultra sensible que convergent tous les matériaux produits sur les différents sites industriels. Ils vont permettre d'assembler les premières bombes atomiques. Parmi les scientifiques arrivés via Londres, il y a le matricule K22, Klaus Fuchs. Personne ne sait que ce jeune physicien allemand est un communiste à la solde de Moscou. La géopolitique s'installe dans le monde des scientifiques. Sur place, chercheurs et militaires se posent des questions très concrètes. Quelle arme construire? Des bombes de précision pour décimer la flotte ennemie ou plutôt une arme de destruction massive, comme l'écrit Oppenheimer, le scientifique, à son ami Enrico Fermi. Je souhaiterais vous entretenir de la question des aliments empoisonnés par des produits radioactifs. Je voudrais recommander un report du projet dans la mesure du possible. Je pense que nous ne devrions pas envisager de mener à bien ce projet si nous ne pouvons pas empoisonner assez de nourriture pour tuer 500 000 de personnes. Les chercheurs de Los Alamos penchent pour une bombe à effet massif. Mais surtout, ils veulent mieux connaître les effets de la radioactivité. Le 1er août 1944, un accident survient au bâtiment D de Los Alamos. La victime s'appelle Don Mastic, un jeune chimiste de 23 ans. Lors d'une expérience, un tube à essai se brise et une préparation au plutonium lui éclabousse le visage. Il en avale quelques gouttes. Il consulte son médecin, le docteur Empelman. Mais personne ne sait ce qu'est une dose dangereuse. Empelman se tourne vers Oppenheimer. Quelles que soient les précautions prises, un accident du même type peut se reproduire. Il ne me paraît pas inutile de poursuivre des recherches en ce sens. Les militaires soutiennent un tel programme d'observation. La question la plus pressante, c'est de savoir jusqu'à quel point les substances que nous utilisons sont toxiques. Uranium, radium, polonium, beryllium. Il est nécessaire d'étudier la manière dont elles agissent sur le corps humain, en pénétrant par la peau, les poumons, le tube digestif. Des tests médicaux sont pratiqués sur Don Mastic. Mais pour mieux connaître les effets de la radioactivité, il faudra de vrais cobayes. Nous recommandons qu'un patient de l'hôpital de Rochester soit choisi pour une injection d'1 à 10 microgrammes de substances radioactives et que ses excréments soient envoyés à notre laboratoire pour analyse. Au tournant de l'été 1944, loin des laboratoires américains, l'armée rouge fait son entrée en Pologne. Les Alliés occupent la Sicile et débarquent en Normandie, ouvrant un nouveau front à l'ouest. La future bombe ne sera peut-être plus nécessaire en Europe. Dans le Pacifique, l'armada américaine se rapproche plus difficilement du Japon. En mer des Philippines, 128 000 Marines reprennent l'île de Saipan aux troupes de l'empereur.
Puis l'état-major y établit ses premières bases aériennes. Tokyo est à portée des bombardiers B-29, mais refuse toujours de se rendre. Roosevelt sait qu'en politique, les plus grands secrets finissent toujours par s'éventer. Lincoln l'avait prédit bien avant lui. Nul ne peut tromper tout le monde tout le temps. Quand la bombe sortira de l'ombre, il faudra qu'on la rende utile. Avec elle, l'Amérique pourra dicter ses conditions à ses ennemis comme à ses alliés, à commencer par Staline. Hiroshima devait être détruite pour donner à l'Amérique un avantage décisif face aux Soviétiques. À l'été 1944, Churchill et Roosevelt se retrouvent à Hyde Park, près de New York. Pour eux, les défaites allemandes ne changent rien. Le projet Manhattan doit aboutir coûte que coûte. L'idée que le monde devrait être informé du programme de recherche nucléaire en vue d'un accord international concernant son contrôle et son utilisation est inacceptable. La question doit continuer d'être considérée comme un secret absolu. Mais lorsque la bombe sera finalement disponible, elle pourra peut-être, après mûre réflexion, être utilisée contre les Japonais, qui devront être prévenus qu'un tel bombardement sera renouvelé jusqu'à ce qu'ils capitulent. Plus d'un an avant les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, les politiques confirment la cible désignée par les militaires. Ce sera le Japon. À l'automne 1944, en pleine débâcle allemande, le général Groves envoie une unité spéciale sur le front européen. À Strasbourg, elle fait une découverte cruciale cachée au sein de l'hôpital de la ville. Un laboratoire de physique allemand. Aussitôt, le scientifique de la troupe se met à compulser les archives. D'après les documents allemands, le programme nucléaire nazi a été interrompu 2 ans plus tôt. Les armes de destruction massive de Hitler, tellement redoutées par l'Amérique, n'ont jamais existé. Avec elles, s'évapore la menace qui a justifié le projet Manhattan. À la conférence de Yalta, Churchill et Roosevelt ne peuvent pas encore utiliser la carte de la bombe. Et les informateurs de Staline ne lui ont pas encore livré tous les secrets du projet Manhattan. Alliés et soviétiques commencent à se partager le monde avant que ne débute l'ère nucléaire. Staline est intéressé par des territoires chinois, occupés par les Japonais. Il s'engage à attaquer l'armée japonaise 90 jours après la chute de Berlin. Reste à savoir qui sera le premier à occuper l'archipel. Car Tokyo refuse toujours de capituler. Dans le Pacifique, la prise de l'île d'Iwo Jima est longue et difficile. Mais ensuite, les B-29 de l'US Air Force ont le champ libre pour pilonner le sol japonais. Tokyo et la plupart des grandes villes de l'archipel subissent des raids incessants. Plus de 8 millions d'habitants sont déplacés. Dans la seule nuit du 9 mars 1945, un déluge de bombes incendiaires fait plus de 100 000 morts dans la capitale japonaise. Le pays est affamé, à court de vivres, de carburant et de munitions. Sa puissante marine est totalement anéantie. Les kamikazes se battent jusqu'au bout, dans des avions de fortune, sans essence pour le retour. Leurs sacrifices font croire que le Japon ne renoncera jamais. Roosevelt meurt le 12 avril 1945. Son successeur, Harry Truman, un ancien sénateur spécialiste des affaires militaires,
ignore tout du projet Manhattan. Pourtant, il était vice-président des États-Unis depuis 6 mois. Son secrétaire d'État à la guerre lui apprend que Roosevelt lui lègue un secret écrasant. Stimson me dit qu'il voulait que je connaisse l'existence d'un énorme projet en cours. Un projet portant sur la mise au point d'un nouvel explosif, d'un pouvoir destructeur à peine croyable. C'est tout ce qu'il se sentit libre de me dire sur le moment. Et sa déclaration me laissa perplexe. Mais Truman va vite comprendre l'avantage stratégique inédit que confère la bombe A. Son futur ministre des Affaires étrangères, James Burns, un proche de Roosevelt, en est persuadé. Burns m'a dit que l'arme pourrait être si puissante qu'elle serait potentiellement capable de balayer des villes entières et de tuer des gens à une échelle sans précédent. Et il a ajouté qu'il pensait que la bombe pourrait bien nous mettre en position de dicter nos conditions à la fin de la guerre. Le même Burns écrit le discours d'investiture de Truman. La perspective d'avoir bientôt l'arme suprême renforce l'intransigeance américaine. Both Germany and Japan can be certain, beyond any shadow of a doubt, that America will continue the fight for freedom until no vestige of resistance remains. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Une capitulation sans condition. À Washington, les diplomates américains savent bien que cette demande est inacceptable pour les Japonais. Le 8 mai, le monde apprend la capitulation de l'Allemagne. Berlin a été conquise par l'armée rouge. Les soviétiques ont aussi libéré Varsovie, Prague, Budapest et Sofia. Staline n'a pas l'intention de s'en retirer de sitôt. Conformément à l'accord secret de Yalta, Moscou se prépare maintenant à entrer en guerre contre le Japon. Les troupes soviétiques commencent à s'amasser en Mandchourie, au nord-est de la Chine. En Europe, l'après-guerre a déjà commencé. Mais à Londres, Churchill s'inquiète des visées de Staline sur l'Europe de l'Est. Il propose à Truman d'organiser une rencontre sans délai. Il me semble que nous pouvons difficilement parler de ces questions par correspondance et qu'aussi vite que possible, il devrait y avoir une rencontre entre les trois grands chefs d'État. La réponse de Truman est surprenante. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'une rencontre entre les trois chefs d'État serait souhaitable. Cependant, en ce qui concerne la période, il me sera extrêmement difficile de m'absenter de Washington avant la fin de l'année fiscale, le 30 juin. Étonné par l'attentisme du nouveau président, alors que Staline bouche ses pions sur l'échiquier européen, Churchill insiste. Je pense que la rencontre devrait avoir lieu en juin et j'espère que votre année fiscale ne la retardera pas. Truman cherche à gagner du temps. Il fait savoir à Staline qu'il ne sera pas disponible avant le milieu du mois de juillet. Churchill est furieux. Je considère que la date du 15 juillet, je répète juillet, le mois qui suit le mois de juin, est beaucoup trop tardive pour aborder les questions urgentes qui demandent que nous les traitions ensemble. J'avais proposé le 15 juin, je répète juin, le mois qui précède le mois de juillet. Mais si ce n'est pas possible, pourquoi pas le 1er juillet, le 2 ou le 3 ? Truman finit par imposer sa volonté. La réunion se tiendra à Potsdam, près de Berlin, le 15 juillet. 15 juillet, c'est le jour qui a été choisi pour le premier essai d'une bombe au plutonium sur le site d'Alamogordo. Truman veut connaître le résultat du test avant la rencontre de Potsdam. Sur le site d'Alamogordo, comme à Los Alamos, les équipes travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Oppenheimer raconte. Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment où nous ayons travaillé plus dur pour aller plus vite,
que pendant la période entre la capitulation allemande et l'utilisation effective de la bombe. Nous subissions une pression incroyable pour avoir terminé avant la réunion de Potsdam. À Washington, on ne se demande plus s'il faut utiliser ou non la bombe contre le Japon, mais quand et surtout comment. Les cibles ne devaient pas avoir été déjà détruites par les bombardements. Il était aussi souhaitable que la première cible soit d'une taille telle que les dégâts se limitent à son périmètre. Comme ça, nous pourrions mieux déterminer la puissance de la bombe. Trois villes jusqu'ici relativement épargnées sont retenues comme cibles. Niigata, Kokura et Hiroshima. Le test doit être efficace dès le premier tir. Pour l'US Air Force, Hiroshima a beaucoup d'avantages. C'est une bonne cible radar et d'une taille telle qu'une grande partie de la ville serait largement endommagée. Les collines environnantes sont propices à engendrer un effet de réverbération qui augmenterait considérablement les dégâts. Reste à savoir s'il faut prévenir les Japonais. Certains scientifiques de Chicago y sont favorables. Nous pensons que l'utilisation de la bombe nucléaire contre le Japon sans annonce préalable est imprudente. Si les États-Unis sont les premiers à faire usage de ce nouveau moyen de destruction, ils perdront le soutien du public à travers le monde. Léo Szilard, le physicien exilé proche d'Einstein, se rend spécialement à Washington pour plaider la cause des civils. Le secrétaire d'État américain Burns lui fait comprendre que plus rien ne peut arrêter la machine. Il me dit que nous avions déjà dépensé 2 milliards de dollars pour le développement de la bombe. Comment voudriez-vous que le Congrès accepte d'allouer des fonds pour la recherche sur l'énergie nucléaire si vous ne montrez pas les résultats obtenus avec l'argent déjà dépensé? Le Congrès commence à s'interroger sur le montant énorme des dépenses non justifiées de l'armée de terre. Après 3 ans de secret absolu, la bombe doit apparaître au grand jour. Tant que la bombe n'aura pas servi contre une cible réelle, sa puissance restera invisible, incompréhensible. Nous ne pouvons proposer aucune démonstration technique susceptible de mettre un terme à la guerre. Nous ne voyons aucune alternative qu'une utilisation militaire directe. Les responsables politiques et scientifiques sont unanimes. Il faut utiliser la bombe. Un nouveau monde est en train de se dessiner. Le 1er juin 1945, le secrétaire d'État à la guerre le déclare devant les industriels et les scientifiques. Les implications du projet Manhattan vont bien au-delà de la guerre actuelle. Il faut maintenir intactes les installations industrielles existantes, constituer des stocks conséquents de matériaux à usage militaire et à usage industriel et technique, et enfin ouvrir la voie au développement industriel. L'Amérique prépare déjà l'avenir. La bombe atomique y jouera un rôle central. Et la perspective d'une industrie nucléaire à grande échelle commence à se profiler. L'armée américaine s'empare de l'île d'Okinawa. C'est la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique. 12 000 GIs et plus de 100 000 soldats japonais sont tués et au moins autant de civils. Okinawa, c'était le dernier rempart avant le débarquement des troupes américaines dans l'archipel japonais. À Tokyo, le palais impérial cherche avant tout un moyen de négocier la fin de la guerre sans sacrifier l'empereur.
Quelques jours avant la conférence de Potsdam, il tente de faire passer le message via Moscou. Le 7 juillet, Truman et son secrétaire d'État, Burns, embarquent à bord du croiseur Augusta pour se rendre à Potsdam. Ils apprennent qu'un télégramme très urgent a été transmis par les Japonais à leur ambassade en Union soviétique. La première vraie preuve du désir des Japonais de mettre fin à la guerre est parvenue aujourd'hui sous la forme d'un message intercepté envoyé par le ministre des Affaires étrangères Togo à Sato, son ambassadeur à Moscou. Il lui demande de rencontrer Molotov et de l'informer du vif désir de l'empereur de mettre fin à la guerre. En outre, Togo dit que les termes « capitulation sans condition » formulés par les Alliés sont la seule chose qui empêche la cessation de la guerre et que si ces termes sont maintenus, les Japonais devront évidemment continuer à se battre. Dans le désert du Nouveau-Mexique, le jour tant attendu est arrivé. Tout est prêt pour le premier test nucléaire jamais réalisé. Nom de code, Opération Trinity. Le général Groves raconte les derniers préparatifs. Le test avait été programmé pour 4 heures du matin le 16 juillet. Cette heure avait été choisie dans l'idée qu'une explosion si tôt le matin attirerait moins l'attention d'observateurs éventuels, la majorité des gens étant encore endormis. Nous nous attendions à ce qu'il y ait un énorme éclair lumineux, mais nous ne pensions pas qu'il serait assez puissant pour réveiller la population. On l'appelle le Gadget, une bombe à implosion contenant 6 kilos de plutonium. 150 000 personnes ont œuvré à la création de ce monstre de métal dont le cœur est à peine plus gros qu'une balle de tennis. La boule lumineuse fut visible jusqu'à 300 km alentour. Le premier essai nucléaire de l'histoire a réussi au-delà de toute espérance. L'homme est devenu maître d'une nouvelle puissance. Le projet Manhattan a doté l'Amérique de l'arme absolue. Mais plus que jamais, le secret doit être maintenu. Groves, le militaire, fait diffuser un communiqué préparé à l'avance. Un dépôt de munitions situé aux confins d'Alamogordo, contenant une grande quantité de puissants explosifs et de matériel pyrotechnique, a explosé. L'accident n'a fait aucune victime et les dégâts matériels, en dehors de l'entrepôt lui-même, sont négligeables. Le communiqué officiel de Groves n'a rien à voir avec la réalité. Mais dès cette époque, il faut couper court aux interrogations de la population. Truman et Burns arrivent à Potsdam le même jour. On leur transmet aussitôt un télégramme crypté en provenance d'Alamogordo. Opéré ce matin. Diagnostic encore incomplet, mais les résultats semblent satisfaisants et dépassent déjà les prévisions. Lors de sa première rencontre avec Staline, Truman n'a pas encore compris tout ce que cela signifie. La conférence se poursuit. Comme promis, à Yalta, les Soviétiques interviendront contre le Japon à partir du 15 août. Mais les nouvelles qui affluent du Nouveau-Mexique, les heures et les jours suivants, changent complètement la donne. Churchill note tout de suite un changement dans l'attitude des Américains. Il n'en comprend la cause que le lendemain, à la lecture du rapport complet du général Groves. Maintenant, je sais ce qui est arrivé à Truman hier. À la réunion, après avoir lu ce rapport, il était un autre homme. Il s'est mis à dicter aux Russes ses conditions et, plus généralement, il a pris la direction des débats. Le secrétaire d'État Burns raconte.
Le président et moi n'étions pas pressés de voir les Russes entrer en guerre après l'annonce de la réussite de l'essai nucléaire. Pour Truman, la bombe atomique est devenue la carte maîtresse de la diplomatie américaine. Il écrit dans son journal le même jour. C'est certainement une bonne chose pour le monde que la bande à Hitler ou celle de Staline n'ait pas découvert la bombe atomique. Cela semble la chose la plus terrible jamais découverte, mais on peut en faire la plus utile. Truman n'a plus besoin de l'appui soviétique pour faire plier Tokyo. Mais encore faut-il pouvoir tester la bombe avant que le Japon, totalement encerclé, ne rende les armes. Deux jours après, Groves envoie un autre télégramme à Potsdam. Selon l'état de préparation du patient et les conditions atmosphériques, l'opération pourrait avoir lieu à n'importe quel moment, à partir du 1er août. Le compte à rebours est enclenché. L'ordre de lâchage de la bombe est transmis le 25 juillet aux forces aériennes stratégiques pour le Pacifique. La proclamation finale des Alliés est signée par Truman, Churchill et Chiang Kai-shek. L'Union soviétique de Staline n'a même pas été invitée à la rédaction du texte. Nous appelons le gouvernement japonais à accepter maintenant la capitulation sans condition de ses forces armées et de nous donner ainsi l'assurance de sa bonne foi. L'autre alternative pour le Japon sera une destruction rapide et totale. Furieux, Staline comprend qu'il a été trahi. Grâce à son espion à Los Alamos, il sait que la bombe est prête. Il accélère le déploiement de ses troupes en Extrême-Orient pour tenter d'occuper le Japon en premier. À Potsdam, s'est écrit le premier chapitre de la guerre froide. La découverte d'armes nouvelles est le propre de l'art militaire, resté dans le plus grand secret aussi. La légende veut cependant que le largage de deux bombes atomiques ait permis de sauver la vie de millions de GIs et de civils en écourtant la guerre. En fait, Hiroshima devait être détruite pour exposer au monde la surpuissance de l'arsenal américain. Aéroport militaire américain de Tinian. La préparation des équipages chargés du largage de la bombe a commencé un mois et demi plus tôt. Little Boy, la bombe destinée à Hiroshima, pèse plus de 4 tonnes. C'est une bombe à l'uranium. Sortie de Los Alamos en pièces détachées, elle est assemblée ici, à Tinian, au beau milieu du Pacifique. Un bombardier B-29 est aménagé pour recevoir la bombe. Il est baptisé Enola Gay, en hommage à la mère du pilote. août 1945. Le largage de la bombe doit être fait à vue, non au radar, pour plus de précision. Trois avions éclaireurs sont partis étudier la météo des trois cibles potentielles. Il y a des nuages au-dessus de Kokura. Niigata s'avère trop loin vu le surpoids de la bombe. À Hiroshima, le ciel est clair. La ville est choisie pour cible. Little Boy est largué à plus de 9000 mètres d'altitude. Elle explose une quarantaine de secondes plus tard, à 600 mètres au-dessus de Hiroshima. La boule de feu libérée par l'explosion nucléaire atteint la température d'un million de degrés centigrades. Elle se propage au-delà de la vitesse du son en brûlant tout l'oxygène sur son passage. C'est un soleil en train de naître à la surface de la Terre. août.
Soudain, il y a un éclair, puis un autre. Ombre et reflet, tout a disparu. Il n'y a plus qu'un nuage de poussière au milieu duquel je n'aperçois qu'une colonne de bois qui supportait ma maison. Hiroshima, 8h15. Le docteur Achiya se préparait à partir pour l'hôpital. Il note ces phrases dans son journal le jour même de l'explosion. Instinctivement, je me mets à courir, ou du moins j'essaie. Inutilement. Des poutres jonchent le sol. Je me sens extraordinairement faible. Je dois m'arrêter pour reprendre des forces. C'est là que je m'aperçois que je suis complètement nu. Où sont passés mon pantalon et mon maillot? Je regarde mon côté droit, il est tout ensanglanté. J'ai également une blessure à la cuisse. Quelque chose de chaud coule dans ma bouche. Ma joue est déchirée. Le souffle de l'explosion a été d'une puissance inouïe. En un instant, une seule bombe à uranium a rayé de la carte une ville de 350 000 habitants. 4 km² réduits en cendres. Les maisons ont brûlé. Le fer s'est tordu sous la chaleur. Tout se passe comme dans un mauvais rêve. Je vois venir des ombres, des espèces de fantômes qui marchent les bras écartés. Je me demande pourquoi. Tout à coup, je comprends qu'ils sont brûlés et qu'ils se tiennent les bras écartés pour éviter le contact avec leur propre peau. L'explosion a tué 70 000 personnes. 70 000 autres seront emportés par les effets de l'irradiation dans les mois suivants. 200 000 habitants ont survécu. Ce sont les Hibakusha, les irradiés de la bombe atomique. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. 2 jours après l'explosion de la bombe sur Hiroshima, les Soviétiques déclarent la guerre au Japon. 1,5 million de soldats franchissent les frontières de la Mandchourie, occupées par le Japon depuis 1931. Les troupes japonaises ne livrent pas bataille. À court de munitions, elles se rendent aux Soviétiques. À la base de Tinian, la deuxième bombe est fin prête. Fat Man est de conception très différente de Little Boy. C'est une bombe au plutonium comme le gadget de Trinity. Elle coûte moins cher que Little Boy, elle est plus efficace, et sa production en masse est plus facile. Il faut absolument l'essayer. Il ne manque plus que la dédicace du général Groves. Resté aux États-Unis, il laisse faire son bras droit le colonel Farrell. À Hirohito, affectueusement. août 9, 11h passées de quelques minutes. Depuis un B-29, un caméraman filme le champignon atomique au-dessus de Nagasaki. L'avion transporte aussi une cargaison de scientifiques venus observer l'explosion. De retour à la base, l'équipage baptisera le bombardier Necessary Evil. Pour l'histoire, la bombe nucléaire devient un mal nécessaire. À Nagasaki, 80 000 habitants sont morts sur le coup ou dans les 4 mois qui ont suivi. Chinois,
国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。Le 15 août 1945, le peuple japonais entend la voix de l'empereur pour la première fois. Cette voix leur apprend la capitulation de leur pays. Le palais impérial n'a pas seulement plié face à la bombe. À ses yeux, Tokyo fait face à un péril bien plus grand. L'armée rouge progresse vers le nord de l'archipel. Pour éviter un Japon sous la coupe soviétique, Washington laisse un espoir de survie au régime impérial. Le texte de la capitulation ne dit rien du futur sort de Hirohito. Ce texte est signé le 2 septembre à bord du croiseur Missouri. Les troupes d'occupation du général MacArthur arrivent au Japon moins d'un mois après les bombardements nucléaires. Mais les premiers étrangers à se rendre à Hiroshima et Nagasaki sont des journalistes. L'Australien Peter Burchett est épouvanté par les symptômes dont souffrent les rescapés. À Hiroshima, 30 jours après la première explosion atomique qui a totalement détruit une ville et stupéfié le monde, des habitants qui n'ont pas été touchés directement par la déflagration souffrent atrocement et continuent à mourir pour des raisons encore inconnues, dont on peut seulement dire qu'il s'agit d'une peste atomique. Aussitôt, l'armée contre-attaque. Le colonel Farrell, bras droit de Groves au Japon, convoque le journaliste et fait publier un ferme démenti. À Hiroshima, ceux qui devaient mourir sont morts. Actuellement, au début du mois de septembre, il n'y a plus personne qui souffre des effets de la radioactivité. Farrell se rend à l'hôpital de Hiroshima. Le personnel médical l'assaille de questions. Mi-septembre, il conseille à son patron, Groves, d'étendre les opérations d'apaisement. Hier, à Hiroshima, nous avons rencontré les médecins japonais. Le professeur Suzuki nous a interrogés. Il se demandait si l'explosion n'avait pas libéré des gaz toxiques. Pour couper court à ces suppositions, nous avons formellement répondu qu'il n'y avait pas eu utilisation de gaz toxiques. Nous rendons publique cette information. Il serait souhaitable que vous en fassiez de même auprès des alliés. La machine de propagande se met en marche. Il faut rassurer tout le monde au moment où les troupes américaines s'installent dans le pays. Aux États-Unis, l'opération de propagande porte également ses fruits. Les responsables du projet Manhattan réussissent à vendre à la presse la prouesse technologique de Los Alamos. Dès le 11 septembre 1945, Groves, le militaire, et Robert Oppenheimer, le scientifique, organisent un voyage de presse au Ground Zero du Nouveau-Mexique. Le site est encore radioactif, mais Oppenheimer se veut rassurant. Il explique aux journalistes que, contrairement aux gadgets de Trinity, les bombes japonaises ont été lâchées de très haute altitude. Il ne devrait pas y avoir d'effet comparable à des armes chimiques ou d'empoisonnement de la Terre par des éléments radioactifs, et aucune autre horreur que celle qui accompagne habituellement les grandes explosions. Message transmis à l'opinion publique. La bombe nucléaire est une bombe propre. Rien à voir avec les armes chimiques interdites par le protocole de Genève. Pendant ce temps, au Japon, d'autres militaires arrivent pour filmer et analyser les effets de la nouvelle arme. Un soldat montre fièrement le point d'impact de la bombe au milieu des ruines encore radioactives. Voilà l'épicentre, Ground Zero. D'autres désignent aux caméras les traces laissées par le souffle nucléaire. Ils étudient soigneusement la propagation des rayons brûlants et leur empreinte sur les édifices. Devant la presse, les forces d'occupation nient avec force la persistance de la radioactivité. Au même moment, des observateurs américains continuent de la mesurer méticuleusement.
Un GI qui raconte sa mission de patrouille à Nagasaki est stupéfait. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Il n'y avait pas d'habitants, tous avaient péri. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas d'animaux, pas de criquets. Il n'y avait rien du tout. C'est difficile de décrire un silence complet comme celui-ci. Au bout d'un an, 9000 Américains et Japonais travaillent à plein temps au département de la censure civile. La censure des troupes d'occupation s'avère redoutablement efficace. Dans les journaux d'Hiroshima, on supprime les caractères d'imprimerie correspondant aux termes « bombardements atomiques » et « radioactivité ». Pendant presque 10 ans, aucun Japonais ne pourra lire d'informations concernant les survivants irradiés, les Hibakusha. Après le feu atomique, c'est une chape de plomb qui s'abat sur Hiroshima et Nagasaki. Tous les documents censurés pendant des années sont conservés ici, à l'Université du Maryland, près de Washington. Des dizaines de milliers de livres, de journaux et d'affiches. Face aux officiers américains qui protestent contre le poids de cette censure, le général MacArthur se montrera toujours intraitable. C'est une propagande fausse et pernicieuse qui vise à donner l'impression qu'une forme de censure arbitraire et cynique aurait été instaurée. Après avoir muselé la presse, il reste une autre opération plus délicate à mener, la désinformation sur les effets de la bombe. En novembre 1945, le Congrès américain ouvre une commission d'enquête sur le développement de l'atome et son contrôle. Groves poursuit son opération de légitimation devant les sénateurs. The casualties which would have resulted from an invasion of the Japanese home islands would have been tremendous. Churchill placed them at over a million Americans. The atomic bomb made it impossible for the Japanese to continue the war, despite their determination to fight to the bitter end. And in that fighting, they would have taken with them tens of thousands of Americans. Groves joue avec les chiffres. La bombe a-t-elle préservé quelques dizaines de milliers ou un million de vies américaines? Peu importe. Ce qui compte, c'est de défendre la doctrine du mal nécessaire, en direct devant les parlementaires. De même, sur la question sensible des radiations résiduelles, Groves s'en tient à une ligne officielle qui ne s'embarrasse pas de nuances. Il n'y en a pas. Et c'est un non très ferme. Sauf au moment même de l'explosion, il n'y a pas eu de dommages radioactifs. Cela n'a duré qu'un instant. Un sénateur lui demande s'il existe un antidote aux radiations. Groves répond : les dommages radioactifs sont de plusieurs types. Si l'irradiation est assez forte, la mort est immédiate. Une dose moins forte peut entraîner une mort différée, mais les médecins disent que la souffrance est supportable. C'est même une manière très agréable de mourir. Ceux qui sont seulement légèrement irradiés peuvent guérir avec le temps. S'agit-il d'une question de soins ou de temps? Demande le sénateur. C'est une question de temps. Si une personne qui travaille avec des matériaux radioactifs est accidentellement irradiée, elle prend un congé pour se tenir éloignée de ces matériaux, et avec le temps, elle guérit. Au final, les sénateurs se rangent derrière Groves, le militaire. Leur objectif est le même, rassurer l'opinion publique sur le développement nucléaire appelé à un avenir radieux. Chez les militaires, l'unanimité de façade sur les bienfaits de la bombe n'a jamais été totale. À peine 2 jours après le bombardement de Nagasaki, l'homme qui a transmis l'ordre de largage de la bombe, le général Spatz, notait déjà dans son carnet personnel : quand la bombe atomique avait été discutée à Washington en ma présence, je n'y étais pas favorable. De même que je n'ai jamais été favorable à la destruction de villes entières et à l'anéantissement de tous leurs habitants. Le même jour, l'ancien président Herbert Hoover confiait au secrétaire à la guerre Stimson : l'utilisation de la bombe atomique et la mise à mort aveugle de femmes et d'enfants révolte mon âme. Stimson, l'ancien secrétaire d'État à la guerre,
est le seul responsable politique à être resté en poste tout au long du projet Manhattan. À l'été 1946, on lui demande de signer un article pour faire cesser la polémique autour de la bombe. Le texte paraît dans le Harper's Magazine. Il déclare une fois pour toutes que l'arme atomique fut l'ultime recours pour terminer la guerre et sauver plus d'un million de vies américaines. En privé, Stimson avouera ne pas se reconnaître dans ce texte largement inspiré par les responsables du projet Manhattan. Mais la doctrine est définitivement scellée. La bombe était un mal nécessaire et même indispensable. New York. Un congrès réunit scientifiques, industriels et militaires à propos de l'avenir de l'atome. En cette fin de l'année 1945, les hommes de l'ombre qui ont pensé la bombe se félicitent en public. Et ils commencent à préparer l'avenir. We're going to talk about the future and not the past. You've all heard a great deal about what made the Manhattan Project a success. But you're looking now up here at this table at a group of men who haven't been featured in the public press or in addresses or anything of that kind. They represent, and they were the leaders in their particular companies. They represent Carbide and DuPont and Kellogg and Monsanto and Tennessee Eastman. And those men did the industrial job that made the Manhattan Project a feasible, practical result instead of something that we were still struggling with. I think you should all remember that. I can't see any difference between solving the problem to build an atomic bomb, which was enormous, and solving the problem of using atomic energy for peaceful purposes, provided the setup is right. Pacifique. Ce mot-clé tourne la page d'Hiroshima pour ouvrir la voie à une industrie nucléaire civile. En août 1946, Truman crée une commission à l'énergie atomique, AEC, composée de civils. La guerre est finie. Partout, les généraux quittent les postes de décision. En janvier 1947, l'AEC prend le contrôle des sites industriels militaires d'Hanford et d'Oak Ridge. L'énergie nucléaire va partir conquérir le monde et devenir une puissance industrielle et économique. Le serment d'Hippocrate impose de sauver les humains, pas de s'en servir comme cobayes. C'est pourtant ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Le projet Manhattan a déjà donné lieu à des expérimentations sur l'homme, mais l'utilisation de la bombe atomique permettra de les étendre à une toute autre échelle. Cette expérience grandeur nature, étudiée pendant des décennies, a permis à l'Amérique de se préparer aux dangers de l'ère nucléaire. Pour bien comprendre ce secret, il faut revenir au début du projet Manhattan. Les scientifiques, mais aussi les industriels, s'inquiètent très tôt des effets de la radioactivité sur le corps humain. Ils réclament des expériences concrètes. Le jeune scientifique qui avait avalé du plutonium n'est que le premier d'une longue série. Les médecins radiologues veulent connaître la dose limite de radiation dans le corps. Enfin, en avril 1945, le jour de la première expérimentation sur le corps humain est arrivé. Cela nous a permis de vérifier précisément les données de laboratoire. Des malades sont choisis dans différents hôpitaux. Chacun reçoit un numéro précédé des initiales HP pour Human Product, soit produit humain. La décision a été prise délibérément de ne pas informer les patients de la nature du produit inoculé. Des seringues spéciales en plomb sont conçues pour injecter des doses de plutonium d'environ 5 microgrammes. Les résultats confirment ceux des tests sur les animaux. Ils sont sans surprise. Le plutonium, 30 fois plus toxique que le radium, est un puissant cancérigène. 3 patients sont testés en avril 1945, 11 autres à partir de septembre, après la fin de la guerre. À ce moment, le responsable du projet Produit Humain
vient d'arriver à Nagasaki. C'est le docteur Warren, le médecin-chef du projet Manhattan. Warren n'est pas venu soulager les victimes ou partager avec les médecins japonais les connaissances accumulées aux États-Unis par ses équipes. Il est venu étudier les effets du plutonium sur les irradiés des bombes atomiques. Toutes les informations sont transmises aux États-Unis. At the end of 2 weeks, which was the critical period, burns and cuts, which appeared to be curing, suddenly worsened. Hemorrhage developed, which could not be stopped. Many died, and the number of deaths kept mounting from day to day. Purpura appeared on the upper half of the body in a majority of cases, and as it spread to all parts of the body, the condition of the victim became worse. Depilation was also a characteristic symptom of the critical period. This soldier was in the barracks 1 kilometer northeast of the epicenter. He suffered no burns, but around the 28th of September, more than 7 weeks after the bombing, depilation developed. Spots appeared, accompanied by a fever of 39.5 degrees and diarrhea. Les assistants de Warren recueillent des dossiers médicaux, saisissent des échantillons, filment l'évolution des symptômes. Ils enquêtent sur chaque patient pour savoir où et comment ils ont reçu la bombe atomique, la gravité de leur brûlure. Tout cela est soigneusement rassemblé, puis classé secret défense. Un médecin japonais, le docteur Hida, témoigne. Le directeur de l'hôpital nous communiqua un ordre du ministère de la Santé que nous devions tous respecter, patients aussi bien qu'employés. Les dommages provoqués par les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki sont un secret militaire américain. Personne ne doit communiquer ce qu'il a vu, entendu ou ce qu'il sait sur la réalité de ces dommages, ni par la parole, ni par l'écrit, ni par le dessin, ni par la photo. Les contrevenants seront punis. Warren, le médecin, est très précis dans ses observations. Son premier rapport, en revanche, est parfaitement dans la ligne officielle. La bombe A n'émet que peu de radiation, brièvement et sans conséquence. Les radiations des explosions nucléaires ayant causé des dommages physiques furent émises principalement pendant la seconde après l'explosion. Quelques blessures ont pu apparaître plus tard, mais toutes se sont produites pendant la première minute. Les deux autres types de radiation, celles provenant de la fission et celles causées par des objets près du centre de l'explosion, n'ont fait aucune victime. Cela a été prouvé définitivement. De retour aux États-Unis, Warren reprend les tests humains commencés à la fin de la guerre. À l'hôpital de Rochester, une aile spéciale gardée par des militaires est construite à cet effet. Jusqu'à l'été 1947, 11 patients y recevront des injections de plutonium. 3 mourront dès la première année de l'expérience. Effrayée par les risques de scandale, la toute nouvelle commission à l'énergie atomique, AEC, décide d'enterrer le dossier. Il est préférable qu'aucun document ne soit divulgué qui ferait référence aux expériences sur des humains et pourrait avoir un effet négatif sur l'opinion publique ou déclencher des poursuites judiciaires. Les documents concernant ce domaine de travail doivent être classés secrets. Aux États-Unis, on s'interroge sur l'éthique médicale, tandis qu'à Hiroshima et Nagasaki débute une grande enquête sur les radiations. Le nouveau secrétaire d'État à la Marine presse Truman d'exploiter les données scientifiques recueillies à Hiroshima et Nagasaki. Les résultats provisoires de l'enquête montrent qu'environ 14 000 Japonais ont été irradiés par l'explosion nucléaire. L'étude de ces personnes et des autres habitants est une occasion unique et très importante pour les Alliés de pouvoir mener des recherches médicales et biologiques sur l'influence de la radioactivité. Ces recherches ne doivent pas s'arrêter maintenant, mais être poursuivies sur le long terme. Une occasion unique.
Peu après, Truman ordonne la mise en place d'une commission sur les dommages de la bombe atomique, l'ABCC. Elle s'installe à Hiroshima et Nagasaki. Avec l'aide du ministère de la Santé japonais, l'ABCC reprend le travail du docteur Warren à grande échelle. Étudier sur le long terme l'influence des radiations sur les victimes de la bombe. À nouveau, les survivants sont forcés de collaborer pour les enquêtes médicales sans jamais être soignés. À nouveau, les informations recueillies sont classées, compilées, archivées et expédiées aux États-Unis. C'est ainsi que l'Amérique se prépare à affronter les nouveaux dangers de l'ère nucléaire. Les banques de données médicales de l'ABCC sont restées secret défense jusqu'en 1975. En 1973, un rapport confidentiel de l'ABCC expliquait la portée vitale de ces travaux pour les générations futures. Pour les personnes concernées par la protection contre les radiations, les conséquences à long terme des bombes atomiques sont importantes et utiles. Les observations sur le cancer, le vieillissement accéléré, les changements cytogénétiques et les mutations chez les descendants doivent se poursuivre au moins toute la durée de vie des survivants. Ces connaissances sont applicables aux futures politiques de santé dans les nations où les catastrophes radioactives seront un effet indirect du progrès. Le progrès, le mot est lâché. Il sera le leitmotiv des 30 Glorieuses et de la guerre froide. Le progrès à tout prix, sans demander l'avis des peuples. Et le paroxysme du progrès, c'est le nucléaire. Nucléaire militaire d'abord. Dès la fin des années 40, la course aux armements est lancée à vitesse exponentielle. L'URSS s'y jette tout de suite pour rattraper son grand rival. Puis viendront la France, la Chine et ceux qui feront cette course en secret, Israël, l'Inde, le Pakistan. L'arsenal mondial devient un monstre incontrôlable. Et le progrès, ce sont aussi ces nouvelles centrales qui apportent à de nombreux pays l'énergie miraculeuse, inépuisable et sans danger. Avec l'aide de son ancien ennemi, les États-Unis, le Japon est devenu le troisième producteur mondial d'énergie nucléaire. Mais Fukushima le replonge brutalement dans le cauchemar atomique. À Hiroshima, l'ancien ABCC sert désormais de référence internationale pour les normes de protection contre la radioactivité. Personne n'avait imaginé que les irradiés de Hiroshima auraient des leucémies, des saignements de gencives ou des taches sur la peau. Mais maintenant, on sait bien que dans une zone donnée et avec une dose de radioactivité donnée, on aura tel problème de santé. Les gens de Fukushima sont inquiets parce qu'ils pensent au risque de cancer. Ils ont dans la tête les images de Hiroshima comme les brûlures, les dents qui tombent ou les morts. Je suppose qu'ils sont très angoissés car ils imaginent qu'il peut leur arriver la même chose. Tous les deux ans, depuis 35 ans, M. Nakanishi vient passer une série de tests médicaux à l'ancienne ABCC, devenue centre de recherche sur les effets de la radiation. Ma mère m'a dit que j'étais à un peu plus de 3 km de l'épicentre au moment de l'explosion. J'avais 3 ans. Elle m'a raconté que j'étais dehors et que j'ai été irradié. Un peu plus tard, j'ai perdu tous mes cheveux. Quand j'étais à l'école primaire, des copains de classe sont morts de leucémie. J'ai pensé que ça pouvait m'arriver à moi aussi. Mais à 20 ans, ce qui m'a choqué le plus, c'était la mort d'un ami de mon âge. Ça m'a fait très peur. On peut mourir de la bombe atomique plus de 20 ans après.
Chaque année, le 6 août, les habitants de Hiroshima commémorent le jour où le monde est entré dans l'ère nucléaire. Le Japon a été le seul pays victime de la bombe atomique. À Hiroshima, comme à Nagasaki, des lanternes en papier sont déposées sur l'eau de la rivière pour apaiser les âmes des disparus.